maintenant peut-être dans l'histoire du monde. En tous les cas, Kim Jong-un, l'homme fort de la Corée du Nord, a été accueilli en grande pompe à Pékin. Il s'est prononcé pour mettre fin à l'escalade nucléaire de toute la Corée, et cela avant son sommet avec Donald Trump, un moment important, je vous le disais. Esmeralda Lavie. Ce n'est qu'une photo, celle d'un train bien mystérieux entré en gare de Pékin dimanche dernier. Les passagers étaient assurément importants, tous les accès à la station avaient été vidés de leur activité. La raison de tout ce secret, la première visite de Kim Jong-un en Chine. Les deux pays veulent en effet se rapprocher avant le sommet Corée du Nord-États-Unis prévu fin mai. Mais de cette rencontre, pas de son, pas d'interview des deux dirigeants, juste le commentaire de la télévision officielle chinoise. Les deux pays sont des alliés historiques, mais ces derniers temps, la Chine s'était un peu distanciée, condamnant les essais nucléaires de la Corée du Nord, approuvant les sanctions internationales à l'égard de Pyongyang. L'heure semble donc être à l'apaisement. Selon l'agence d'information chinoise, le dirigeant nord-coréen se serait même prononcé pour une dénucléarisation de la péninsule coréenne, affirmant que cette question pouvait être résolue si la Corée du Sud et les États-Unis faisaient preuve de bonne volonté. Que de chemin parcouru en si peu de temps. Puisqu'il y a quelques mois encore, les deux puissances s'invectivaient par insultes réciproques. La Corée du Nord est un problème qui aurait dû être réglé il y a 25 ans. J'ai hérité de ce bordel, mais je vais régler ce bordel. Les États-Unis sont tout entiers à la portée de nos armes nucléaires. Et le bouton nucléaire est toujours sur mon bureau. C'est la réalité, pas une menace. Le vent de la réconciliation a donc soufflé de Washington à Pyongyang en passant par Pékin. Ce mercredi, Kim Jong-un a quitté la Chine comme il était venu, dans le plus grand secret, non sans avoir convié chez lui son homologue chinois qui s'est empressé d'accepter l'invitation. Et on va essayer d'y voir plus clair. Pierre Marlet, cette visite du dirigeant nord-coréen en Chine, qu'est-ce que ça signifie précisément ? Eh bien, en fait, la Chine, elle envoie un double message aujourd'hui. D'une part, elle dit on est incontournable, elle est incontournable par sa taille, bien sûr, mais aussi par les liens qu'elle a avec la Corée du Nord. Et puis, elle envoie aussi un message quelque part positif au monde, en laissant entendre que la Corée du Nord, vous l'avez entendu à la télévision d'État, serait prête à une dénucléarisation. Autrement dit, un geste important peut être fait par les Coréens aux Américains, à présent, d'y répondre. Alors Pierre, est-ce que la Corée du Nord est vraiment prête à ce désarmement nucléaire ? Ah ben ça, rien n'est moins sûr. On voit mal pourquoi Kim Jong-un renoncerait comme ça subitement à son arsenal nucléaire pour les beaux yeux de Donald Trump dans des places au président américain. Donc il faudra une monnaie d'échange. Il faut savoir que la Corée du Nord, dans son esprit, vit dans une paranoïa. C'est pour ça qu'elle est surarmée. Elle vit dans la paranoïa d'une attaque venue des soldats américains qui sont stationnés en Corée du Sud. Ils sont environ 30 000 en permanence avec beaucoup de manœuvres. Donc dans son esprit, eh bien, il faudrait que les Américains leur fassent également un geste et qu'ils quittent tout en partie la péninsule coréenne. Et ça, c'est difficile à accepter et pour Washington et pour Séoul. Donc en clair, la Chine aujourd'hui, elle dit, vous savez, même en cas d'échec, nous serons toujours aux côtés de notre voisin nord-coréen qui constitue un excellent rempart à ses yeux, qui empêche un jour, par exemple, d'avoir des soldats américains aux frontières de la Chine. Étude. Les États-Unis se préparent à une première frappe nucléaire. Dans leur étude, les trois chercheurs américains, Postol, Christensen et McKinsey, écrivent que la modernisation de l'arsenal nucléaire américain ne consiste pas simplement en une amélioration de la fiabilité et de la sécurité des ogives nucléaires. Postol est professeur de sciences, technologie et politique de sécurité nationale au Massachusetts Institute of Technology. Christensen dirige le projet d'information nucléaire de la Federation of American Scientists. Et McKinsey dirige le projet d'information nucléaire du Natural Resources Defense Council. Citation. En réalité, cependant, l'introduction de nouvelles technologies révolutionnaires vise à améliorer considérablement le ciblage et la précision des missiles balistiques américains. Ces améliorations étonnantes triplent presque le potentiel de destruction des armes nucléaires américaines existantes. Ces préparatifs ne sont faits par un État doté d'armes nucléaires que s'il entend mener et gagner une guerre nucléaire en désarmant ses ennemis par une première frappe surprise nucléaire. Fin de citation. Et pendant ce temps, les politiciens et les médias occidentaux attisent les craintes d'une menace russe. Il prédit une effroyable guerre mondiale qui fera plus de victimes que le total des deux précédentes. Tu
Tout d'abord, il décrit l'embrasement auquel nous assistons actuellement au Moyen-Orient. Puis il évoque l'affrontement d'impressionnantes flottes navales en Méditerranée. Mais pour lui, le détonateur de ce conflit sera, comme pour la Première Guerre mondiale, l'assassinat dans les Balkans d'une figure importante de la politique. Tout va très vite. La Russie déferle sur la Serbie et se dirige droit sur l'Italie. Puis trois colonnes blindées traversent l'Europe vers l'ouest. La ville de Francfort est complètement détruite lors d'une attaque aérienne et la vallée du Rhin est dévastée. Tous les ponts du Danube disparaissent les uns après les autres. Désemparée, la population fuit vers l'ouest, mais se retrouve bloquée sur les routes dans des bouchons sans fin. Pendant ce temps, la Chine, grande alliée des Russes, ambitionne d'occuper les territoires américains. Elle envahit l'Alaska, le Canada, et ne va pas plus loin, car elle est terrassée par une défense états-unienne redoutable. À Paris, la ville est mise à feu et à sang par ses propres habitants, la plupart venant de banlieue. En Italie, Erlmeyer décrit ce qu'il semble être une guerre de religion. Des sauvages venus de l'extérieur massacrent la population ainsi que de nombreux membres de l'église. Quant au pape, il est exfiltré dans un endroit sûr. La Russie n'a plus aucune limite et largue sur la côte anglaise une nouvelle bombe inconnue à ce jour et d'une puissance inimaginable. La mer se met en ébullition et des vagues hautes comme des tours submergent une bonne partie de l'Angleterre. Les territoires du nord de la France et de la Belgique sont également touchés par ce raz-de-marée. S'ensuit éclairs, tonnerre et tremblements de terre. La terre connaît alors trois jours de ténèbres et d'obscurité. On comptera plus de victimes en une nuit que lors des deux précédentes guerres mondiales. Erlmeyer donne quelques conseils. Restez enfermés durant ces trois jours, puis colmatez les fenêtres et les portes, car à l'extérieur, les retombées radioactives dévasteront tout être vivant. Ne buvez pas l'eau courante et consommez uniquement des aliments en boîte. Prévoyez les bougies, car toutes les centrales électriques seront hors d'usage. Les Américains assistent à une extermination sans précédent et conviennent d'agir sans utiliser leur arsenal nucléaire. Ils décident d'envoyer en Europe des centaines de drones afin de mettre un terme à cette épouvantable guerre. Ces appareils commandés à distance épandent de Prague aux côtes du Nord une poudre chimique de couleur jaune. À son contact, rien ne survit. Toute matière organique est détruite sur le champ et devient noire. Les sols resteront ainsi contaminés durant une année. L'envahisseur russe est décimé par ce nuage meurtrier et aucun ne rentre chez lui. Quelques temps plus tard, une guerre civile éclate en Russie et renverse le pouvoir en place. C'est la fin d'une effroyable guerre. Erlmeyer affirme que cette guerre sera très rapide. Il voit le chiffre 3 mais ne sait pas l'interpréter. Peut-être 3 jours, 3 semaines ou 3 mois.